Bon. Je vais bousculer par deux personnes. Hein. Oh. Si, monsieur, j'ai été bousculé. En fait, ça c'est du colza VRTH, c'est clean film. Et c'est grâce à ça en fait qu'on fait. L'agriculteur, parce que c'est marqué, c'est avant tout. Mais en fait, si on prend les graines, elles sont directement enrobées. C'est un canal. Ça c'est dégueulasse. Attention à vous. En fait, je sais pas si vous voyez, mais en fait, les graines elles sont bleues et du coup, en fait, elles sont directement enrobées. Ah, vous en avez trouvé alors? Ouais, mais c'est mais c'est pas du tournesol, c'est du colza. Ouais. Bah, comme quoi, on pensait qu'il n'y avait pas de colza, et il est bien marqué RAGT en plus. Il est marqué RAGT, ouais. RAGT et non. Il était où? Ouais, après, on peut peut-être y retourner. Sinon, on a du. On a du. Donc, c'était des big bags de. De tournesol, volcano, CLP. Thank you.
Ça, c'est un sac de colza, Clearfield. Et normalement, ce sac devrait avoir le logo semence OGM. Parce que ce sac-là, il a été obtenu, enfin, cette variété-là de colza, Clearfield, a été obtenue par mutagénèse, qui a été multiplié ensuite in vitro. Et ce sac-là, il est interdit à la commercialisation. L'État français aurait dû l'interdire. Et aujourd'hui, il est présent dans ce dépôt de RAGT semence. Voilà. Et si l'État ne le fait pas, c'est parce qu'il ne veut pas déréglementer les OGM, enfin, issus de mutagénèse. Et ensuite, tous les produits qui suivront, parce qu'il y a plein de produits derrière qui risquent d'arriver et qui... Donc l'État et les semenciers ont envie de déréglementer. À l'injonction du Conseil d'État, suite à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, les graines mutées doivent être évaluées, tracées et étiquetées. Et ça, c'est ce qu'a décidé la Cour de justice européenne après le recours du Conseil d'État. Le Conseil d'État, en retour, pose une injonction au gouvernement qui, lui, ne réagit pas. Donc on est contraint de faire des actions de ce genre pour signaler la non-exécution par le gouvernement de la législation. Ils ont les champs, ils ont les assiettes, les autres éléments n'en veulent pas. Ils ont les champs, ils ont les assiettes, les OGM, on n'en veut pas. Ils ont les champs, ils ont les assiettes, les OGM, on n'en veut pas. Ils ont les assiettes, les OGM, on n'en veut pas. Ils ont les champs, ils ont les assiettes, les OGM. Ni dans les assiettes, les étrangers n'en veulent pas. Un champ avait été planté entre le Lot et l'Aveyron qui contenait du tournesol Clearfield. Vous avez fait une action là-dessus ? On a fait une action là-dessus. Une partie du champ a été détruite, mais il en restait. Donc ça nous a permis de tracer cette semence et de voir où elle avait été récoltée. Donc cette semence ici a été amenée ici, au centre, au plateau de Calmont, au mois de septembre. Voilà, et cette tournesol était clairement identifié dans le champ comme étant du tournesol Clearfield. C'est-à-dire un tournesol qui résiste à un désherbant en post-levée. C'est-à-dire que la plante, quand elle commence à pousser, on lui balance un désherbant pour détruire les adventices. Et la plante, malgré ça, elle résiste et elle continue à pousser. Donc elle s'imbibe du poison, mais elle n'en meurt pas. Donc le champ est gavé de poison et le tournesol pousse là-dedans. Et le tournesol, après, est récolté et distribué dans l'alimentation animale. Mais du coup, donc c'est des semences qui sont plantées sur les lieux d'expérimentation. Comment ça se passe ? Non, ce ne sont pas des lieux d'expérimentation, ce sont des lieux de production. De production. C'est-à-dire que la RAGT. Parce que c'est légal produire des VRTH aujourd'hui. En ce moment, c'est légal. Sauf que la France est dans l'illégalité par rapport à l'Europe. D'accord. Donc depuis 2018, la France devrait se mettre aux normes européennes et devrait réévaluer ses semences pour voir si elles sont OGM ou pas. Et ce n'est pas fait à l'heure actuelle. Le Conseil d'État vient encore d'assigner la France. Elle a 2 mois pour se mettre en conformité et pour savoir si ces plantes vont être cataloguées comme des OGM ou pas. Et pour le moment, ce n'est pas fait. Et les lobbies semenciers voudraient au contraire déréguler toute la loi contre les OGM pour que toutes ces plantes ne soient plus considérées comme des OGM et puissent être distribuées en vente. Quand les plantes qui seraient mutées naturellement dans les champs et qui résisteraient naturellement à des pesticides, enfin aux désherbants, et aussi aux plantes qui sont après trafiquées dans les laboratoires. Et pour le moment, il y a un flou complet et les choses ne sont pas faites. Il n'y a pas de distinction qui sont faites entre toutes ces techniques. Voilà, donc le colza, on sait qu'il est Clearfield, c'est-à-dire qu'il a été transformé en laboratoire. Et il y a des variétés de tournesol qui sont aussi transformées en laboratoire. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est que clairement, ces plantes soient identifiées comme des OGM. Et ce n'est pas fait actuellement. D'accord.